Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition des 19h sur les antennes de Numérique Télévision. D'abord les titres, sécurisation des élections en République démocratique du Congo, avant, pendant et après. La question se pose avec acuité en Afrique centrale. Une réunion du comité des services de renseignement et de sécurité, CISA, se tient à Kinshasa dans le but de consolider les liens des coopérations sécuritaires entre les pays de la sous-région. Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, donne au président de l'Assemblée nationale, Obeninaku, un délai de 6 jours pour procéder au remplacement du délégué de l'UDPS, Jean-Pierre Kalamba, à la Commission électorale nationale indépendante. Sport, roi, FC Renaissance du Congo, Racing Club de Kinshasa, un rendez-vous sportif aux allures d'une finale ce samedi au stade Tata Raphaël, un match comptant pour la dernière journée du tour des cadrages du championnat national zone ouest. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. Je vous le disais tout à l'heure, à quelques mois des élections en République démocratique du Congo, la question de la sécurisation avant, pendant et après se pose avec acuité en Afrique centrale. C'est dans ce cadre que le comité des services de renseignement et de sécurité, CISA, se tient à Kinshasa, en jeu, consolider les liens des coopérations sécuritaires entre les pays de la sous-région afin de mettre un terme à la prolifération de poches résiduelles d'insécurité et de la circulation illicite d'armes légères et de petits calibres. Ces travaux ont été lancés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mauvoisakani. À l'occasion, le patron des renseignements congolais, Kalev Moutom, a circonscrit le contexte dans lequel se tiennent ces assises, notamment les préparatifs des élections générales annoncées le 23 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Entre-temps, les violons sont loin de s'accorder entre la majorité et l'opposition autour de la machine à voter et le dit du fichier électoral, des éléments qui pourraient servir de prétexte pour le report des scrutins annoncés fin décembre. Face à cette probabilité, le professeur Godé Atsuel essaie de recadrer les acteurs politiques dans une interview accordée à Numérica Télévision. Fallon Moussikini et Emani Tango. Le chemin vers les élections prévues le 23 décembre prochain est irréversible en RDC. À 7 mois de scrutin, aucun consensus n'est trouvé autour de la machine à voter imposée par la CENI. Pas non plus d'audit du fichier électoral tel que voulu par l'opposition congolaise, bien que la centrale électorale s'est dite ouverte à ces sujets. Comment concilier les divergences de vues sur la scène politique en vue des élections apaisées? Le professeur Godé Assuel invite les acteurs politiques à adopter un comportement positif. La scène politique, c'est comme les athlètes qui sont en plein match de football. Vous avez les joueurs, vous avez les coachs, vous avez des camps, des équipes qui s'opposent. Alors, pour les cas d'espèce, vous allez remarquer, ça c'est ma lecture, que la majorité est véritablement structurée. La majorité, elle est structurée. Quand elle parle, elle prend une seule option. L'opposition congolaise n'est pas structurée. Quant à la machine à voter qui divise la classe politique, le professeur précise. Est-ce que en RDC, vous avez déjà utilisé la machine à voter? Vous n'avez jamais utilisé la machine à voter. Ça signifie que ce sont les premières élections qui vont utiliser la machine à voter. Et donc, les élections qui devaient avoir lieu ou qui auront lieu en décembre, c'est le cobaye d'essai de la machine à voter. Pour la réussite du processus électoral, il convient à tout politique à agir avec responsabilité pour le bien-être du pays, précise le professeur Godé Assuel. Et pour mieux affronter les futures échéances électorales, la plateforme logique et alliée était en atelier de formation de ses membres. Ce regroupement entend gagner les élections afin de permettre le développement de la République démocratique du Congo par les jeunes et pour les jeunes. C'était au centre interdiocésain de Kinshasa. Retour sur l'ouverture des travaux avec Lorient Tseya et Jérès Timanga.
L'ANOGEC, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, déterminée à construire sur les nouvelles bases. Pour y arriver, elle a opté pour la formation et la conscientisation de ses membres en vue de la bonne gestion de la chose publique à l'aune des élections qui approchent. D'où l'organisation de cet atelier quelques jours seulement après le lancement de sa plateforme électorale, NOGEC et Nouveau Allié. Au cours de cette rencontre, il était donc question d'armer idéologiquement ses membres pour faire face aux enjeux politique de l'heure. Nous avons une mission à accomplir absolument dans cette génération. C'est celle, évidemment, qui consiste à mettre la République démocratique du Congo sur l'orbite du développement. Vous savez, il y avait des générations de Lumumba qui avaient accordé l'indépendance à la République. Il y avait la génération de Mobutu qui avait à un certain moment stabilisé l'unité et la cohésion de la République. Il y avait la génération de Laurent Désiré Kabila qui avait en fait sorti la République de la dictature. Maintenant, nous, notre génération, qui est, il faut le dire, très engagé, a pour mission de pouvoir sortir le pays du gouffre du sous-développement dans lequel il se trouve. NOGEC se dit prête à affronter les échéances électorales et à gagner un plus grand nombre de sièges. D'outiller les uns et les autres sur les stratégies à mettre en place afin de parvenir à l'objectif ultime qui est celui de remporter les prochaines élections. Et donc, il est question justement de l'imprégnation stratégie politique électorale pour ce qui concerne les cadres de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC et Ali. Commencé le jeudi 3 mai, l'atelier sur le renforcement des capacités de membres de la NOGEC va se clôturer ce vendredi 4 mai. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, le président Félix Tshisekedi poursuit des pressions pour obtenir le remplacement de Jean-Pierre Kalamba à la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce vendredi, dans une nouvelle correspondance, Félix Tshisekedi lance au président de l'Assemblée nationale, Obeminaku, un ultimatum de 6 jours pour le faire afin de réparer ce qu'il qualifie d'injustice à l'encontre de l'UDPS malgré l'insistance. Le président de l'UDPS pense que la procédure a été mise en veilleuse volontairement. Pourtant, Obeminaku avait promis lors de l'ouverture de cette session que la question sera soumise à l'examen. En outre, Félix Tshisekedi a réitéré sa confiance en la personne de Jean-Marc Kabound Akabound. Ce dernier vient d'être reconduit dans ses fonctions de secrétaire général du parti. Et en marge de la célébration de la Journée internationale de la presse, l'Union nationale de la presse du Congo a procédé à la remise du prix Lucien Tshimpumpu et de la jeune femme. C'était hier, jeudi, au Centre Wallonie, Bruxelles. Retour sur ces images avec Élisée Manfou pour les détails. La deuxième phase de la célébration de la journée de la presse s'est soldée par la remise des prix aux meilleurs dans les catégories. Émissions débat, reportage télévision, reportage radio, articles de la presse écrite et enfin meilleur caricaturiste. Pour ce faire, le jury a travaillé sur un certain nombre de critères, entre autres la prise en compte du genre, l'intérêt du sujet pour les publics et l'innovation. 5 journalistes des différentes maisons de presse ont été primés. Pour la catégorie émission débat, c'est Serge Kabongo, animateur de l'émission Les Kiosques de la chaîne CCTV, qui l'a emporté. Nimis Omotuka, journaliste reporter des sports à la Radio-Télévision Nationale, a reçu le prix Meilleur Reportage Télévision. Et pour la radio, c'est Isabelle Riba, du site Kivu. Le prix de la presse en ligne a été remis à Annie Takon de la province du Lualaba. Par ailleurs, le prix Meilleur Caricature a été remporté par Patou Bominga du quotidien Forum des As. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier l'INPC ainsi que l'OMEC et surtout le membre du jury. Et je voulais aussi dédier ce prix à toute l'équipe du journal Forum des As. Le prix Jeune Femme Journaliste décerné par l'UCOFEM est dans sa 3e édition, tandis que le prix Lucien Tshimpumpu de l'UNP remonte de l'an 2012. Ces deux prix ont pour objectif encourager et stimuler les professionnels de médias
à travailler davantage dans le respect de la déontologie, mais aussi les redonner du courage et de l'espoir. Et puisqu'on parle presse, que pensent alors les Kinois de la journée ou de la liberté de la presse en République démocratique du Congo? Je vous propose de suivre leurs réactions au micro d'Hermione Yanvou et Doudou Kassouba. C'est connu, on dit d'elle être le quatrième pouvoir. Forte de sa position, elle est face à sa responsabilité, mais surtout, elle doit relever le défi. Suite à certaines contraintes de la nature ou des individus qui poussent que notre devoir soit vraiment très dénigré, ce qui est dommage. C'est bien pressé, c'est bien fait, sauf que le matériau ou matériel ne sont pas très bien mis à notre disposition. En l'occurrence, les subventions que nous remettons. On n'entend plus, on n'en voit plus. Pourquoi, on ne sait pas. Avec les conditions de jeunesse maintenant, ça pousse des fois aussi aux journalistes de devenir un peu de magiens sur la politique. Le métier de journalisme, c'est un métier noble, malheureusement, qui est un peu négligé en République démocratique du Congo. Pour une autre opinion, le journaliste doit être libre pour exercer son métier. Nos journalistes ici ne travaillent pas librement, contrairement aux autres. La liberté de la presse n'est pas tellement garantie dans notre pays. D'être unis et de réunir vos efforts et puis de défendre valablement vos droits. Il faut que la presse soit libre. Hein? Il faut que la presse soit libre. Et nous, les Congolais, nous ayons quand même une bonne manière de pouvoir travailler avec la presse librement. Quelques journalistes font sérieusement leur travail comme il faut. Mais il y a d'autres aussi qui ne font pas bien leur travail, mais c'est question de pouvoir respecter la déontologie du travail. Toutefois, la population reconnaît le mérite de ces nobles métiers, étant donné que la presse kinoise abat un travail de titan. Dans un tout autre chapitre, célébration ce samedi 5 mai de la journée internationale de la sage-femme sous le thème « Les sages-femmes donnent l'exemple en offrant ». Des soins de qualité. En marge de cette célébration, le Centre Mère et Enfant Barumbu a ouvert ses portes aux professionnels de médias. Question de faire découvrir ce métier. Ange Magadi était là. Au Centre Mère et Enfant Barumbu, plus d'une dizaine de femmes déploient de l'énergie à animer des séances de préparation à la naissance, relaxation, yoga. Elles expliquent également aux mères ce qui va se passer tout au long de l'accouchement en les rassurant. Réputées pour leur dévouement, les sages-femmes assurent toutes seules trois quarts de l'accouchement. Après l'accouchement, la sage-femme s'occupe du nouveau-né. Elle surveille également les rétablissements de la mère. Elle la conseille sur l'allaitement et l'hygiène du bébé. Quitte la maison, elle vient ici pour accoucher. Quand elle vient accoucher, nous voulons qu'elle rentre aussi avec son enfant. Ce qui est noble, vraiment, ces métiers, nous sommes très exposés parce qu'il y a des virus, des hépatites B, des sida. Nous faisons accoucher des femmes qui sont atteintes. Mais la SDC, vraiment, nous sommes mal payés. Nous ne sommes pas bien réanimés. La prime, un peu, beaucoup de travail, nous souffrons des conditions difficiles, par manque de lumière, vous avez peut-être sans lumière. Nous demandons au gouvernement de penser aux sages-femmes. Parce qu'avant d'être ministre, avant d'être président, vous avez passé par la sage-femme. J'aimerais bien vous expliquer. C'est fini. Un mois de culture, la République démocratique du Congo va abriter du 10 au 31 mai prochain la deuxième édition du Festival du film européen. Le festival va proposer au public congolais plus de 30 films européens et congolais. Annonce faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Élisée Mafou et Alain Zongola.
Le festival du film européen est un moment de découverte et de partage pour les curieux et les passionnés de cinéma d'ici et d'ailleurs. Le festival présentera toute une panoplie des œuvres et des réalisateurs dans différentes villes de la RDC, dont Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Bandundouville, Kananga et Matadi. Pour cette deuxième édition, le festival propose plus de 30 films européens et congolais. Le festival va démarrer avec la projection du film Makala, réalisé par le français Emmanuel Krasse, tourné en RDC. C'est principalement reposé sur les producteurs qui connaissent bien mieux que nous leur environnement et qui sont des professionnels et qui ont toujours une très bonne expertise. Durant le festival, le film européen, différentes rencontres seront également proposées aux étudiants et aux professionnels du secteur audiovisuel animés par les réalisateurs européens et congolais. À Kinshasa, plusieurs sites ont été choisis pour abriter ce festival. Entre autres, Unikin, Centre Wallon Bruxelles, Foyer Universitaire Saint-Paul, Compagnie Théâtre Les Intrigants et l'Institut Français. Y participeront également les réalisateurs congolais, dont Patrick Ken Kalala. Des nouvelles sportives, fin ce samedi du tour de cadrage du championnat national dans la zone de développement ouest. Le FC Renaissance du Congo va tenter de conserver sa place de leader devant RCK qui veut à tout prix battre l'écurie orange pour disputer la Linafo de la saison prochaine. L'autre affiche du jour mettra aux prises MK à Nord Sport de Matadi. Pour ces matchs, les quatre entraîneurs étaient face à la presse ce vendredi. Étienne Kambala et Serge Mitelesi. Dans un match sans enjeu, le football club MK croisera les bottines avec Nord Sport Football Club en première explication. Le deuxième match, aux allures d'une finale, va opposer l'FC Renaissance du Congo au Racing Club de Kinshasa sous le coup de 15h30. Le vainqueur de cette rencontre disputera la saison prochaine la première division. Au regard de cet enjeu, l'entraîneur des Renaissances se veut optimiste. Un match comme ça ne décide pas beaucoup de discours. Au niveau de la concentration, nous restons concentrés parce que très souvent quand on sort de deux ou trois victoires de suite, il y a le jeune gens qui se perdent deux fois la tête et fatalement on tombe dans ce qui n'est pas souhaitable. Je pense que nous restons calmes, nous restons sereins, tout en sachant que nous jouons contre un adversaire coriace. Tout le monde connaît RCK. Et je connais bien l'entraîneur, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football congolais. Mais RCK entend jouer à fond pour se qualifier. On tenait d'abord à arriver à battre d'abord l'adversaire qui était devant nous et enfin de retrouver la Renaissance. C'est-à-dire que la batterie que nous avons mise en marche nous a donné 5 buts. Quoi qu'on a malheureusement encaissé un but, mais on est maintenant au point de faire autant aussi contre la Renaissance. Par ailleurs, en première division, le match JS Groupe Bazano CS Don Bosco et FC Saint-Olo-Lupopo DSMP sont reprogrammés ce dimanche 6 mai au stade du Kibasa Maliba à Lubumbashi. Que le meilleur gagne. La visite de 48 heures de la procureure générale de la CPI, Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, et la hausse des prix du transport en commun à Kinshasa. Voilà deux sujets qui ont dominé la presse kinoise, les grands titres de journaux parus ce vendredi dans la capitale dans une sélection de tapis de Tounou commentée par Hermione Yanvou, revue de presse. Lors de son passage à Kinshasa, la procureure de la CPI a fait part, écrit le courrier de Kinshasa, de ses inquiétudes quant à la persistance des violences dans les territoires de Beni et Butembo au Nord Kivu, le Grand Kasaï et Kinshasa, qui pourraient être, a-t-elle dit, de la compétence de son institution. Face à ces violences, Fatou Ben Souda, ajoute l'objectif, a mis en garde les autorités congolaises. Elle leur demande de prendre leurs responsabilités. En mettant tout le monde dans l'œil du cyclone, la CPI explique la prospérité.
prospérité veut ici prévenir le pire de maintenant, le pire dès maintenant. Il appartient aux uns et aux autres de se prendre au sérieux et de s'abstenir des actes de nature à porter atteinte aux droits humains. Pour Fatou Bensouda, cité par Forum des As, la lutte contre l'impunité et la nécessaire prévention des crimes graves relevant du statut de Rome de la CPI sont primordiales pour la stabilité sociale. Autre chose, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée jeudi 3 mai. À Kinshasa, indique l'objectif, c'était l'occasion pour faire des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels de médias. Le vrai modérateur revient sur la hausse des prix des transports en commun dans la ville-province de Kinshasa. Malheureusement, constate le journal que la décision de l'autorité provinciale n'assouplit pas des conditions de déplacement des Banakin qui se plaignent du mauvais état des routes, mais surtout de la rareté des moyens de transport. Les Kinois souffrent depuis des mois du phénomène de mi-terrain. Nous terminons dans cette revue de presse avec cette nouvelle. Selon le journal, Papa Olangi, décédé en Afrique du Sud en octobre 2017, sera inhumé en Passa, à Kinshasa, le 2 juin prochain. La grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel a appelé donc ses différentes assemblées à se préparer pour l'inhumation de cet homme de Dieu. Merci beaucoup Hermione Yanvo pour cette belle revue de presse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre également sur notre chaîne YouTube Numérica TV. Bonne suite de programme sur Numérica TV. Au revoir. À la prochaine.